C'est parti pour 7 tours et demi. Ici, dans le 3000 mètres des U18 masculins. Sind dabei in diesem Lauf Miguel Matos, Athletic Viseu Genève. Lars Rüegelers, LC Terville. Noah Hurschler, TSV Rotkreuz. Maurice Deis, LC Meilen. Theo Mechler, LC Meilen. Max Witteven, Athletic Viseu Genève. Fabio Nauer, LC Zürich. Jonathan Hoffmann, LC Zürich, der die Bestzeit in 8:27 hält. Thomas Dugré, LC Terville. Eric Jacobin, LC Terville. Jonas Schaub, TV Mauch. Fabio Walter, LC Brühl, Leichtathletik. Camilo Iraragori, LC Athletics. Manuel Sieg, All Blacks Thun. Und Lou Schneider, LC Terville. Pour l'instant, après bientôt 400 mètres, un peloton compact de ce 3000 mètres. Der Favorit im blauen Dress vom LC Zürich, Jonathan Hofer, auf Platz 3. Le Favorit, celui qui en tout cas est le plus rapide sur la liste des meilleurs, maintenant en 4e position avec le maillot du LC Zürich. Es führt Camilo Iraragori. Sonst haben wir hier noch drei Athleten, die unter 9 Minuten gelaufen sind. Trois athlètes qui sont descendus sous les 9, qui devraient lutter pour la deuxième et troisième place dans cette course, si naturellement le favori ne leur laisse aucune chance. Donc 4 athlètes à moins de 9 minutes pour se partager les médailles. On voit déjà le peloton qui commence à se couper en deux avec les favoris. Ils creusent un petit trou dans ce 3000 mètres. Eben noch Camilo Iraragori vorne vor Thomas Dugré. Und im Weitsprung ziehen die Athleten im letzten Versuch. Weitsprung 18, la dernière série d'essai a débuté en longueur des garçons U18 en 7e position après les 3 premiers. C'était 10 mètres qui va s'avancer du SPD. Ça veut dire qu'ils ont encore 6 athlètes avant de savoir qui va grimper sur le podium. Et sur 3000 mètres, ils vont être entraînés à la ligne droite. Au bout de cette ligne droite, ils auront fait le tiers de leur parcours. Alors pour donner une idée du temps lors du passage aux 1000 mètres, dans environ 50 mètres ici sur la ligne d'arrivée. Toujours Camilo Iraragori qui mène devant Thomas Dugré, Jonathan Hofer et Eric Jacobin. 3-0-2, ungefähr nach 1000 Metern, environ ein paar Tage im Web, 3-0-2. Und ein Sperrwerfer. Guter Kurs, sehr guter Kurs von Marco Falkenrieder. Hat sich mit St. Gallen mit Zielen um 50-70. 57-74. Côté du Charlot. On est là aussi dans l'avant-dernière essai. Là aussi, on est là dans l'avant-dernière essai. Dans le dernier essai du côté de la longueur. 3000 mètres, peloton. Position inchangée. Tous ces athlètes. Toujours menés par Camilo Iraragori. Iraragori, pardon. Il va lui rester 4 tours. Encore 8 athlètes en lice pour la victoire dans ce 3000 mètres. D'abord, ils vont passer à mi-course. Toujours sur un rythme légèrement supérieur à 3 minutes au kilomètre. 4:31, 4:32 au 1500. Toujours Camilo Iraragori qui mène ce 3000 mètres. Et du côté de la longueur, le 5e après 3 essais, avec 6,28 m d'affaire du Pascal Léo Perret.
Le peloton qui commence à s'étirer un peu. Dans ce 3000 mètres, il va rester 3 tours. Ils passeront sur la ligne d'arrivée. Et toujours l'athlète du SSC Athletics qui mène cette course. Ils auront fait 2000 mètres, donc on rentrera dans le dernier kilomètre. Donc, 1 kilomètre, ils disent Lauf. Sie sind nur noch 7. Und er war an dritter Stelle, nach drei Versuchen, Lars Messing, im Weitsprung der U18, Longueur U18. Es geht um die Medaillen und dann gab es einen Sturz. Camilo Iraragori qui s'est pris les pieds. Il vient de mener pendant plus de 2000 mètres et il est tombé. Et ça accélère avec le favori Jonathan Hofer. Klare Steigerweg vom Favorit in diesem 3000 Meter. Suivi par Miguel Matos. L'athlétisme visé aux deuxième position. 47 für Messing. Und jetzt Cyril Krembach. 7 Meter 03. An einem zuerst, natürlich zuerst Sandro Graf. 6 Meter 74 auf dem Silberplatz. Ça accélère toujours plus devant la tête de la LC Zürich. Jonathan Hofer devant Miguel Matos, les deux qui sont en avant très nettement détachés. Encore un peu plus de 400 mètres, ça va être la cloche pour ces deux athlètes. Und für die Bronzemedaille sind sie noch 3. Jonathan Hofer, letzte Runde, Miguel Matos, Athlétisme Viseo. Troisième position, Thomas Dugray, LC Terville. Eric Jakober und Fabio Nauer, die Namen für die Bronzemedaille. Sie sind zusammen noch 300 Meter für sie. On dit que pour la première et la deuxième place, les positions ont l'air assez claires. Il y a encore du suspense pour la médaille de bronze. Und im Weitsprung, der Schweizer Meister bei der U18 im letzten Versuch. Cyril Kerbach, übertreten. Et encore un petit peu plus de 100 mètres pour le grand vainqueur de ce 3000 mètres. Jonathan Hofer wird die Goldmedaille gewinnen. Et c'est Miguel Matos d'Athlétisme Viseo Genève qui va terminer en argent. Et le sprint pour la médaille de bronze. Eric Jakober, Thomas Dugré, wer hat mehr Schnelligkeit? Ich glaube, das war Eric vor Thomas. Genau, Eric Jakober, LC Terville, dritte Stelle, Thomas Dugré, ebenfalls LC Terville, vierte Stelle.